ans, quand mon père est mort, on a été approché par un éditeur qui voulait faire un livre sur les dessins de mon père. Mais comme on a énormément de dessins, et que je trouve ça pas très sain non plus que c'est moi ou mes deux frères qui font une sélection, parce qu'on est beaucoup trop proches de l'œuvre, on a demandé à Berlinde de faire une sélection des œuvres, des dessins pour le livre. La tête se noie. Le moment que Hélène m'a demandé pour choisir certains dessins dans l'œuvre de Philippe Vandenberghe, j'ai me posé la question, mais je dois comment, où, parce que c'est une œuvre immense, il y en a 30 000 de dessins, et j'ai pensé, je dois commencer chronologique et pas au milieu, peut-être pas avec les choses que je connais très bien et que j'aime, mais je suis commencée depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est rare, mais à la fin, j'ai arrivé avec une sélection dans le parti que je connais très très bien et qui est très proche de moi. Et un moment très difficile, c'est à trouver une réponse dans mon propre dessin pour mettre ça juste à côté de lui et aussi de rentrer dans un atelier d'un artiste qui est décédé. Ça aussi, c'est quelque chose très dur pour moi parce que je connais mon atelier très très bien, mais de rentrer dans un atelier de quelqu'un d'autre, un artiste qui est décédé, c'est autre chose parce que je me sens très responsable pour le choix et très responsable pour le livre qu'on va préparer avec cette choix. Et c'est peut-être à cause de ça que j'ai essayé de trouver un lieu où on peut montrer l'œuvre de Philippe et pas seulement mon choix dans le dessin qui était très personnel et très privé. Et grâce à ça, on a demandé aussi à Antoine Galbert s'il était intéressé d'avoir cette expo. Mais son programme était déjà plein pour 2013, et il m'a demandé si on peut attendre jusqu'à 2014 pour faire cette expo ici à Maison Rouge. Et j'ai pris de l'occasion de ce temps pour créer des nouvelles pièces. Et ici, j'ai travaillé sur un autre dialogue avec l'œuvre de Philippe Vandenberghe. Ce n'est pas le choix, et je n'ai pas mis mon propre travail juste à côté de lui, mais j'ai sauter dans l'œuvre de Philippe qui m'est nourri pour créer de nouvelles pièces.